ne lancez rien derrière. C'est parti, premier match, Arcif Fatalis. Plante Piranha Inkling. Mais Arcif, il connaît Inkling parce que c'est son main aussi de son côté. On est parti sur un BO5 entre ces deux joueurs. Bon, c'est Arcif qui prend l'avantage. Le fer derrière, qui s'approche énormément. Le fer du Inkling derrière, qui sera le big, le poison, qui fait mal au shield. Pas beaucoup de dégâts, Fatalis. Fatalis qui a mal réagi, qui a sauté directement. Le shield. Arcif pour l'instant. Qui est toujours sur sa phase, hein, grab, up throw, B neutral, il le tente beaucoup. Ah, ouh, Fatalis qui s'est fait deux frames. Attention, attention, hein, il ne faut pas faire trop de folie. T'es en avance, tu n'as pas besoin maintenant d'agresser. C'est toi qui as l'avantage, c'est toi qui as le neutral. Mais on a vu tout à l'heure à Fatalis. Fatalis qui avait eu du mal sur un début de match, qui a appris son adversaire et qui est venu nous faire des matchs derrière magnifiques contre L1 lors de la Winner Semi. Arcif qui envoie la boule, le rouleau, il se fait punir. Fatalis qui n'arrive pas du tout à trouver les solutions pour l'instant. Face à cette plante, Arcif qui se punit dans la bagarre. Le stack back. Le, j'ai pas compris, le bagarre qui l'a touché. Ensuite, le hubby. Et Arcif, quand il est revenu, s'est pris le dernier jet du hubby. S'est fait stage spike. N'a pas tech, mais heureusement, il n'est pas parti trop loin. Il a pu revenir avec un hubby. Et c'est Fatalis pour l'instant qui fait l'exploit. Qui revient comme il peut. Qui ne prend plus de dégâts. La bombe qui suffira peut-être. Non. Ça revient sur le terrain de gauche d'Arcif qui en passe par au-dessus. Linkling. Arcif qui tente d'envoyer des bouts pour l'instant. Ça charge le côté. Le bébé, pardon. Attention, par contre, les gars. Arcif qui chill. Le upthrow qui ne retirera pas les stocks. Le B neutral sur le côté pour zoner. Se donne shield. Et ce B neutral qui va empêcher les Linkling qui envoyait sa bombe pendant le lag de revenir et qui va retirer le second stock. Deux stocks d'avance du côté d'Arcif. Premier match très tendu. Très bien lu du côté Artsniff. Et Fatalis qui a bien attendu, qui a fait ce qu'il veut. Il a vu la boulerie, il se dit ok, tu vas revenir en temps doucement. Tu reviens, moi je t'empêche de revenir, je vais t'envoyer sur le côté. Et je te retire ce stock de manière indulgente. Le nerf. Ouh, le chargement de poison qui sera punir. Malheureusement, le pinceau qui a bas pourcent s'est fait nerf. Et ne pourra pas être comboté. Les deux shields, les joueurs qui attendent. Fatalis qui est plus dans la défensive vu qu'il a peur un petit peu de ce qu'il peut faire. Et Arcif qui est encore un petit peu dans l'apprentissage sur l'adversaire. Vos paris qui ne sera pas puni sur rien. Tentative derrière de suivre le Fatalis qui n'est pas réussi. Et l'enchaînement offert. Malheureusement, derrière ça n'a pas suffi. Le rouleau qui a été puni automatiquement après la. Le poison qui n'aura fait pas beaucoup de dégâts. Instant complet d'avance. Le poison qui direct cancel avec un shield. Hein. À sa façon, on peut cancel charger mon poison avec un shield. Et derrière. Alors qu'il tentait de revenir, Artsniff se prend un baquet, ne tech pas et perd son second stock. Attention, seulement 87% d'avance du côté Fatalis. Fatalis peut faire l'exploit, peut revenir. Le grab qui ne mènera rien du tout. Le rouleau qui est. Ah, l'écran noir. Pour l'instant, en tout cas, c'est parti. Le bébac chargé qui sera puni par Fatalis, par un petit fer. Lâche attaque. Attention, j'ai du monde bébac. La bombe peut-être. Ah, non, en Fatalis qui tentait une approche. Voir un petit peu d'approche. Il a suivi, il essaie de follow. Beau grab derrière. Donne son fer qui ne mènera sur rien. Artif qui revient, qui cherche son poison qui monte de son côté. Attention au bel attente d'Artif. Malheureusement, on peut pas faire demi-tour lorsqu'on contourne. Du moins, j'ai pas la pression. Le Beba qui charge un petit peu loin du coup d'Artif qui a bien respecté avec le shield. Fatalis qui fait un jab derrière puni par une dash attack parce que Artif était passé derrière. L'Obser qui ne fait pas ça. Le backer, non. Artif, pas comme ça. Oui, il revient tranquillement sur la map. Heureusement qu'il a une bonne reco parce que le backer il l'a fait un petit peu tard. J'ai eu peur que le lag le fasse décéder. Et ce n'est pas le cas, ce S-Match en tout cas qui revient, 89%. Les deux joueurs sont maintenant à 10%. Bien joué Fatalis qui a bien respecté, qui s'est posé pile où il revient. Fatalis qui tente le Dunby, qui ne sera pas puni. Et ce S-Match, non, le grab, backthrow, qui ne suffira pas encore. 100% du côté des deux joueurs sont maintenant à 10%. Le grab, la backthrow pour envoyer tranquillement Fatalis, qui recharge son énergie. Il va en avoir besoin pour ce fin de match, c'est tendu. Quel comeback, le rouleau, qui s'est puni par un grab, oui, non, oui, il revient tranquillement sur la map. Et vous Fatalis qui a fait une très belle DI. ça va suivre, le SMH non! Pas assez loin du côté Fatalis. Trop de SMH, je pense. La pression, le rouleau! Dans le shield et qui sera puni. Et c'est ça qu'il faut faire contre un rouleau, les amis. Vous shieldez. Et derrière. Le SMH qui punira. Et premier round pour Artsniff, 1-0. Quel match, mais quel match, quel match! Ce comeback de Fatalis qui était tellement, tellement là. Et pourtant. Et pourtant, ça n'a pas suffi.
Malgré le fait qu'Artif a eu attention, s'est fait revenir. Tu shield et tu gagnes, comme nous dit Pile23 sur le chat. Bravo Pile. On va s'arrêter sur la même map des deux côtés. Hein. D'ailleurs, ce qui était assez intéressant, après, je pense que c'est forcément la meilleure map pour la plante qui peut pas forcément profiter des hauteurs comme il faut pour ses poisons, pour son projectile. Mais malgré tout, il a pu poser un jeu, il a pu imposer contre un Inkling qui était sur une même map pour lui. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce second round. Ça change de map, en tout cas, du coup, les deux joueurs. Winner final, les amis, on est en BO5, je rappelle. Ça reste sur les mêmes persos, ça part très vite du côté des deux joueurs. Plante Piranha, Inkling, toujours le même match-up. Est-ce qu'une plante symbole et emblème de ce stream peut faire l'exploit et remporter ce tournoi, ou du moins cette finale winner? Allez, c'est parti sur Smashville. Ça peut être plus intéressant pour le Inkling, qui pourra peut-être plus facilement se couvrir. Mais qui, dans le poison, pose le Inkling. Très intéressant. Ce que c'est avec le poison, hein, c'est qu'en plus, vous mettez beaucoup de dégâts, il avance petit à petit. Donc, si vous le gravez en début, il sera plus dans le poison. Mais si vous forcez un petit peu à reculer et vous le chopez, le poison va vous rattraper petit à petit. Donc, il y a moyen vraiment de faire des phases très très intéressantes avec ce perso. Alors que Gentil Pshiro tente de tricher en modifiant le rule set. Bravo. Le fer qui punit le hubby. Allez, on tente de bombe du côté d'Inkling. Bien joué à Dashdown, c'est un tout grab. D'ailleurs, Artif qui est resté en shield, qui a un petit peu peur. Le béba qui ne suffira pas. Ouh, c'est la chose qui perd la balle. L'hélice. Ah, c'est un petit peu plus haut ce coup-là. Artif qui s'était fait avoir tout à l'heure par un F smash hein, sur le hubby. Et ce coup-ci, l'hélice qui passe juste au-dessus et qui touche la tête du Inkling. Alors qu'on a un premier like sur ce match, ça faisait longtemps. Ouh, tellement de portée ce Dunby. Attention, hein. Ça a changé vite, ça a été puni par un backer derrière. Le Last qui ne sera pas puni. Un tout petit peu loin, un tout petit peu trop respecté du côté Fatalis. La bombe. La bombe qui, étrangement, n'a pas mis les dégâts à Artif. Je pensais que la super mort était seulement pendant le chargement. Apparemment, il en a une après. Parce qu'il s'est pas fait arnaquer. Le Big sera puni par un grab. Et pas le kill, pas le kill, pas de grab kill hein, du côté. Drinkling. 187%. Le grab, ce coup-ci peut-être. La backstro, toujours pas. Bonne GI du côté Artif. La bombe pour tenter de punir ça. Le hubby, 140%. Les deux joueurs, attention, la upstro qui tuera à 143%. Eh, quand même. C'est vrai que c'est pas forcément très lourd, Inkling, mais c'était. Dans le poison avec la grab, l'astro, 35% de dégâts directement mis. Le rouleau qui enterra. Pour finir ce premier stock. Ce jab qui ne sera pas puni avec un shield derrière. Qui ne sera pas puni non plus. Double jab, shield, jab, shield, jab. Jab qui passera à la fin. Don't throw tout grab. Tout fer, pardon. A nouveau, la don't throw. Le fer qui ne passera plus maintenant. Le double backer pour punir la reco. Artif a voulu revenir par au-dessus. Hein. Bien lui de la part du côté. Du côté Inkling. Tentative de bait avec le rouleau. Ça n'a pas suffi. Le beau shield apparaît. Qui grabera derrière. Et cette back, et ce backer, hein, qui est présent. Le nerf. Le poison qui met les dégâts. Malgré tout. À peine un petit passage. 15% de dégâts. Hein. Oui, désolé, IDOTV. Malheureusement, on est déjà en winner final de ce tournoi. Les inscriptions, c'était à 19h30. On a commencé à 20h. Après, je t'invite à. Là, exceptionnellement, c'était jeudi. Donc, c'est vrai que les horaires sont un peu particuliers. À partir du prochain, on reprendra le vendredi comme d'habitude. Je t'invite à suivre la chaîne ou à rejoindre le Discord et le tuteur si tu veux plus d'informations. Alors que ce match très sérieux, la grab, la backstraw. 121%, ça charge un béba. Fatalis qui respecte, hein, qui respecte le béba pour l'instant. Il n'a pas trouvé comment le punir encore, j'ai l'impression. Il cherche les failles, il cherche comment s'en approcher. On a vu plusieurs fois hein, des petites bombes pour essayer de punir. A nouveau, life throw. D'ailleurs, celui d'une bombe. Bien respecté du côté Inkling qui a fait une belle dash arrière pour empêcher le coup. Alors, pourquoi est-ce que je continue le stream? Oui, normalement, IDO, je ne devrais pas arrêter. Vu qu'il sera assez tôt, je pense qu'on fera des matchs viewers derrière. Tranquillement. Ce jab qui va projeter. Oh, très beau flag de Fatalis qui a fait un second saut.
il s'est pas du tout attendu de la pression. Artsniff, par exemple, il revient direct, il smash, il tue. Ça, comme ça, c'est incroyable. Félicitations, Gentil Shiro, qui remporte 2-0 ce match. Gentil Shiro, tu joueras en stream après, ne lance pas ton prochain match. Le faire. La dash attack, qui fera le job. Artsniff, qui a fait beaucoup de risques, qui a rendu très très bas, qui a réussi à revenir tranquillement. Le poison, qui ne fera aucun dégât. Up tilt, combattre avec un YouTube. 50%. Et voilà, là, encore une fois, le pot qui a servi de super armor. Bien joué du côté Artif. Et là, ça ne tuera pas. Et ça fera un smash, ça ne tuera pas encore. 107% de dégâts, par contre. Ce béba. Artif qui sert beaucoup du béba lors de ses recovery. La boule qui charge. Rien du tout, par contre, derrière. Les deux ont shield. Les deux ont attendu. Les deux ont affecté. Artif qui doit être dans l'attente. Béba qui punira à nouveau une fois. Fatalis qui se prend énormément de coups sur ce béba en tout cas. Arsif qui le passe vraiment très bien. De manière solide. L'attaque travaille le deck de Fatalis. Qui s'était fait surprendre par le côté le petit fer. Et tranquillement Altec qui est placé. Est-ce que ça fera tu vois, à surprendre le match. Le grab, la bague se trompe pour l'instant. Arsif qui est dans l'avantage du mate. Belle esquive, le fer encore une fois. Plus de solo de Fatalis. Fatalis qui met les dégâts. Qui attend, qui n'a pas réussi à punir. Ce hubby. Le smash qui sera puni. Le grab non. Réjou, la Max Ro, qui tuera la mauvaise DI de Artif. Je pense qu'il aurait pu mieux DI. Il s'était surprendre par une très rapide Max Ro. Et ça retirera le stock. Bien joué du côté Fatalis. Un partout entre les deux joueurs. C'est possible qu'avec bonne DI, ça aurait kill. Mais je suis pas sûr parce qu'on n'a pas eu le zoom. On n'a pas eu le zoom du kill. Qui en général déjà n'est pas assuré de kill. Donc c'est vrai que sans zoom, ça me surprend. Ah, t'as eu dommage. Quel est le résultat de ton match? Dommage à toi. Allez, ça va changer de map du côté des deux joueurs. Peut-être de personnages du côté Artsniff. Alors que Azer, tu te mets à jour avec des scores random sur le challenge, je me mets en 3-0, 2-0. Donc très bien, alors du coup, L1 et Gentil Shiro, vous jouerez on stream juste derrière. Un partout, ça reste. Du côté, L1 joue Sonic, Gentil Shiro. Elle cherche le poison tranquillement. Ça repart sur DF, comme on l'a vu sur le premier map. Le poison sur l'edge, qui ne fera pas de dégâts. Ça peut vraiment faire des baits intéressants, je pense, ce poison, mais il faut vraiment travailler, l'exploiter, voir les failles, voir tout le nombre de. Je pense, des bouts de frame trap à faire. Le backer derrière qui met les dégâts. La Dunsrow qui combattra. Pas du tout. Deux fois une Dunsrow, deux combos qui ne viennent pas. Ah, c'est normal, t'as les outils, c'est compliqué quand tu connais pas un perso, et en plus, surtout, le jeu est encore, malgré tout récent. Et il y a tellement de personnages qu'on ne peut pas tout connaître. Et ce sera un travail à faire sur de nombreux mois, voire années. Pour connaître au moins un petit peu tous les persos. Moi-même, il y a beaucoup de personnages que je ne connais pas du tout dans le jeu. Donc ne t'inquiète pas. Ça se travaillera. Et on travaillera ensemble si tu veux jouer un C4 aussi avec grand plaisir. Le pari. Avec un Don Smash derrière. Sur 3 stocks des deux côtés. Belle grab là directement sur Bénétral qui a beaucoup de lag. Fatalis qui les lit bien. C'est Bénétral qui arrive. Tranquillement les punir. Très beau pivot smash qui ne suffira pas encore sur 34%. La bombe. Artif qui fait un bien que tranquillement. Encore une fois. Très bon spacing du côté Fatalis qui s'est toujours mis derrière la recovery. Et qui a réussi. Et Artif derrière tuera avec son B-neutral. Très vite. Encore une fois. Hein, dès qu'il y a un kill, Artif, il revient, il assure son kill. Il prend pas de dégâts. Et ça fait des matchs tellement serrés. Ce nerf. Allez, la Upsro. Il ne sera pas comboté. Le S-Watch ne passera pas. Deuxième dans le shield puni par un backer derrière automatiquement. Bravo. Allez, le Upsmash ne compte pas rien du tout. Le Dunby. Qui ne sera pas puni. Dans le shield de dash attack dans le shield. Hein. Malheureusement, pas de dégâts, beaucoup de dégâts. Le down shield. Ouf, il a bien fait de shield là, parce que c'est pas loin du tout. Attention au shield malgré tout, ça met des dégâts. Ça met des dégâts au shield.
Pas trop en abuser non plus. La bombe qui ne fera pas de dégâts dans l'hélice. Hein. Il n'a pas explosé. L'astro. Qui ne donnera rien du tout, mais l'hélice qui a pour l'instant l'avantage neutral. Non, le grab qui lui fait pas complètement l'avantage. Arctic qui va reprendre un petit peu le terrain, reprendre ses espaces. Envoyer une boule dans la dash directement. Attention, hein, Fatalis, qui pour l'instant a du mal sur ses approches. On voit sur ce match, il a beaucoup de mal sur ses approches. Alors qu'on a un petit lag, est-ce que je vais être déco? Probablement. Oui. En espérant que eux jouent toujours. Oui, ils jouent toujours. On va louper, malheureusement. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, une petite déco. On apprécie, bien sûr. On apprécie sur le chat aussi. Je suis sûr que vous appréciez les décos. Hein. La base. La base de tout bon tournoi. Online, ce sont les décos de spectateurs. Comment emmerder un maximum le stream et les viewers, malheureusement. Désolé pour ce petit problème de connexion. Qui est bien sûr à l'insu. Et contre notre volonté. Pendant ce temps, bon, ils étaient à, tous les deux à deux stocks gros pourcents. Donc je pense pas que ça va durer très longtemps. Le reste du match. Allez, mes décos légendaires. Et oui, L1, il n'y a plus de toi. Tu n'étais pas dans ce match. Et déjà, ton aura commence à se sentir, à arriver dans l'arrêt. Et à nous rappeler tes déconnexions de stream. J'ai toujours pas fait les VOD de la semaine passée en plus. Je suis méga à la bourre. J'ai fait les VOD du tournoi il y a 10 jours, mais je les ai pas. Enfin, je les ai mis sur YouTube, mais elles sont pas encore en ligne publiquement. Je m'en occuperai bientôt. Après, j'ai pas beaucoup de temps ces prochainement, donc je vais essayer de faire au mieux pour attraper les VOD de retard que j'ai. Donc excusez-moi pour le petit retard, mais vu que j'ai pas de tournoi ce week-end, vu que je serai occupé, ça me permettra d'essayer un petit peu de temps pour faire ça. Ensuite, alors je sais pas si je streamerai dimanche soir. Donc soit dimanche soir, soit lundi soir, on finira Inside. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a commencé, on n'y a pas rejoué. Et j'aimerais bien voir la fin de ce jeu, quand même. Donc sachez-le, vraie info, hein, tout ça. Vraie info. Sur YouTube, pareil, il y a les VOD d'Inside qui ne sont pas encore là, mais qu'ils arriveront bientôt. Et d'ailleurs, elles sont sûrement là avant que je poste cette vidéo-là, que vous m'entendez parler et meubler lors de ce match. Comment ça, on a un emploi du tour de ministre la semaine prochaine? Parce que c'est vrai, oui, moi... Mais on fera du dwarf bientôt, on fera du dwarf bientôt. J'ai dit que je le ferai bientôt. Allez, apparemment ça fait 2-1 pour Fatalis. Je vous spoil, hein, je vous spoil. C'est ça, 2-1 pour Fatalis. Alors que tous les spectateurs ont fui. Pourquoi Sniff tu pars? C'est BO5. Incroyable, ces joueurs qui après 4 tournois ont toujours pas saisi que la finale était en BO5. Merci à tous. Il n'a pas l'habitude d'aller si loin, respectez-le un peu. Et oui. Alors que ArtSniff rend ce moment poétique sur YouTube. Bravo. Bravo à toi. Allez, 2-1 pour Fatalis. Apparemment, ça reste sur la même map. Du côté des joueurs franco-britanniques. Et c'est parti. Est-ce que Fatalis va pouvoir confirmer et en finir de cette plante? Est-ce que ArtSniff va pouvoir revenir dans le match? C'est reparti. Sur ce match-up, le jab qui me fait les premiers dégâts, 14% de dégâts. Fatalis qui est beaucoup plus dans le respect des distances. Hein, on l'a vu par rapport au premier match où il était trop agressif par moment. Il se voulait surprendre. Maintenant, il est vraiment dans le respect. Dans le respect des distances. Malheureusement, là, le hit qui passera de la boule. Alors que j'ai un point qui est en train de me tuer et de me faire avoir une crise cardiaque. Tout se passe très bien. Le grab pour punir directement la dash.
Le poison. Le saut qui sera plus punira avec un fer. Le rouleau. Pas de dégâts la boule qui passera juste au-dessus. Fatalis qui n'arrive pas à l'instant, pas toujours à trouver les punis, j'ai l'impression en tout cas. Alors c'est qui impose son jeu, qui impose son style, qui impose ses projectiles. Encore une béba, un béba. Je pense que Fatalis, il faudrait quand même qu'il commence à taffer ça. Je pense qu'il y a. C'est un des coups facilement punissables. Donc si Fatalis arrive à trouver la faille de ces bébés qui sont régulièrement répétés au niveau de l'edge, du moins quand ils sont en recovery, hein. Il y a peut-être moyen que Fatalis prenne le back air qui sera tech du côté Artif. Et il pourra revenir tranquillement sur la map. Allez, ça peut-être finir le stock. Non, Artif qui a très bien marché de son côté. Ouh, ça n'a pas puni ça. Très belle roll. Artif fait très le bon choix. Qui a attendu, qui a roll juste au moment du coup. Là, il ne mettra pas de dégâts par contre. Et là, ce coup-ci, ça ne sera pas tech. Ça ne sera pas tech. Et c'est la slash qui retire. Encore une fois, on le voit, Artif, dès qu'il perd le stock au premier, direct, il retire le stock et il ne prend pas de dégâts. Il assure le coup. Il veut pas prendre de retard. C'est pas le style de la maison. Ce béba encore une fois, hein, qui se punira le rouleau. Non, ce coup-ci, c'est la chambre roto du côté d'Artif qui a réussi à se prendre le fer. J'ai pas encore compris toutes les frames de Super Armor qu'il a, ce coup. Alors, je sais pas si vous avez plus d'infos, vous, sur le chat, sur le fonctionnement exact du béba. La backstraw derrière. Le bénétral. Non, qui passe juste au-dessus. Tentative de back air qui ne fera pas le taf. Deuxième fois, un back air non plus, qui ne passera pas. Artif qui tente une... Il a parlé de la vulnérabilité. Ça tente tout le temps en boucle la blanche. Et ça passera enfin du côté Fatalis. À force de faire des coups, à force de ne pas revenir sur la map. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe le back air. Et c'est Artif qui perd son second stock sur un stage pack très propre. Très propre peut-être. En tout cas, mais très propre par rapport à tous les coups qu'il y a eu avant qui ne sont pas passés. Enfin, il a réussi Fatalis à mettre le dégât. Le jab qui passe dans le shield. L'upsro. La balle qui sera chargée. Non, il pas de dégâts. Ce back air derrière qui punira. Ce béba qui sera pas puni. Si, par un grab derrière. Endo throw. Pas de fer. Ce rouleau. Et comme il a sauté au bon moment, il n'a pas été enterré. Nightage grab. Donne trop fer. Un deuxième fer qui ne passera pas. Tentative de backer d'Artsniff qui ne passe pas non plus. Il peut revenir tranquillement sur la map. Très bon hobby ce personnage. Très bon hobby ce personnage. Ça permet de tenter des choses comme ça. C'est vrai que vu le lag des coups, c'est pas forcément un mage, j'ai envie de dire. Et ce backer dans le neutral. Fatalis ne l'a pas vu venir. Fatalis l'est pris. Fatalis perd son stock. La balle chargée, le feinte. Fatalis qui était forcé à revenir vers le bas. Le bébé a traversé le shield. Alors ça, c'était très marrant. On dirait qu'il a activé le shield en même temps. Et du coup, il y a une espèce de traverse. Hein. Très étrange ce qui s'est passé. Le rouleau qui n'enterrera pas. Le smash un peu bourré dans le neutral. Ça aurait pu tenter une surprise. Hein. Mais Artif qui est très dans la distance pour l'instant. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de tenter les bourrés des petits smash comme ça. Ce bébé qui mettra encore une fois les dégâts. Fatalis qui ne trouve pas les solutions. Fatalis qui n'arrive pas. Charge de poison, le grab derrière, F-throw. Fatalis qui a une balle de match, hein. Fatalis qui a une grosse balle de match. Tentative de la salle, oui, bien joué. Encore une fois, on l'a vu, hein, plusieurs fois. Et ça tue pas encore, ça tue pas encore. Oh, on y a cru, on y a cru. A chaque fois, on l'a vu sur tous les hubbies qu'il a fait sur le terrain, Artif. A chaque fois, Fatalis l'a suivi en bas et a puni au pivot F-smash le fer pour écarter la plante. 163%, le rouleau qui finira le match. Et non. Et oui. Je sais pas si le machine était pas assez bon, mais il y a eu des erreurs. Et 3-1 pour Fatalis, bravo. Bravo. On va pouvoir lancer Gentil Shiro contre L1.